you C'est plutôt qu'est-ce qu'on mange en fin de semaine. C'est le Super Bowl. On... Le 13 février dernier se tenait la Journée mondiale de la radio. Pour l'occasion, nous avons décidé de mettre en lumière une passionnée de la radio, Roxane Guérin. C'est sûr que la Journée mondiale de la radio, pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai l'impression que la radio, sans le vouloir, c'est comme perdu, peut-être, dans les dernières années ou avec certaines générations. Mais moi, c'est c'est mon média préféré, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle peut-être pas assez. De, de la radio, on parle beaucoup des autres médias, puis pourtant, c'est encore tellement écouté, puis j'ai l'impression qu'une proximité qu'on ressent avec la radio parce que c'est juste la voix. Puis moi ça ça me fait tripper. Quand j'étais jeune ou tu sais quand j'étais aux études, je savais pas si j'allais faire vraiment de la radio dans la vie parce que souvent on se dit ben, ça va-tu m'arriver vraiment? Puis, je me souviens, sur Facebook, je voyais des, des artisans de la radio célébrer cette journée-là, puis là, publier Ah, moi, ça fait 10 ans, 20 ans que je fais de la radio. J'étais à telle émission. Puis, j'étais comme Mon Dieu, j'ai hâte de moi aussi, un jour, j'aimerais ça la célébrer en n'étant pas juste aux études ou comme en disant Ah, oh, je veux faire de la radio un jour. Fait que pour vrai, c'est vraiment comme touchant de la célébrer maintenant, puis en étant. Ça en étant animatrice de radio. Puis j'ai de la misère des fois à le dire encore parce que je me dis, mon Dieu, c'est ben ça mon métier. Puis c'est ça que je voulais faire. Puis c'est vraiment une journée importante justement parce que je peux vraiment la célébrer. Puis je peux en parler. Puis justement, comme motiver les gens à écouter puis à encourager la radio. Puis ici, ben, c'est une radio locale. Fait que c'est aussi d'encourager local. Comme on achète un produit local, ben on encourage notre radio d'ici. Celle qui occupe son métier de rêve doit encore parfois se pincer pour réaliser qu'elle se trouve derrière un micro chaque matin. Pour vrai, j'ai l'impression que j'y crois pas encore, puis c'est quand je regarde des vieilles photos que je me dis, mon doux, mais dans le fond, ça a tout le temps été ça. Sais, des fois, tu ne réalises pas, tu bifurques vers un autre domaine, vers un autre métier. La vie est ce qu'elle est, puis la radio, c'est une, une grosse chance de pouvoir partager peu importe quoi, peu importe les bonnes épreuves, les mauvaises épreuves, les pandémies ou les. peu importe quoi. ben j'ai l'impression que maintenant, c'est en regardant un peu dans le passé que. Je suis vraiment fière de pouvoir la célébrer. Fait quoi, ouais, c'est une fierté, une reconnaissance parce que sans les auditeurs sans les gens qui ont cru en moi, mettons, au début, ben je pourrais pas nécessairement la célébrer. Tu as beau être bon dans ce que tu fais, mais à un moment donné, faut il faut que tu te fasses entendre. Fait que, ah, pour vrai, je suis vraiment, c'est vraiment une belle journée, cette journée-là. Ce que Roxane Guérin apprécie le plus de son métier est sans conteste le contact avec les auditeurs. Ce qui me fait triper, premièrement, ben, c'est de parler aux gens, de découvrir des nouvelles personnes, de, que ce soit sur les réseaux sociaux, super facile maintenant, mais au téléphone, il y en a qui m'appellent le matin puis qui me souhaitent juste bonne journée ou, tu sais, moi, je prends de leurs nouvelles parce que, veux, veux pas, ben, c'est devenu quasiment des amis. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment une grosse partie que j'aime. Sinon, c'est le contact puis l'attachement, mais juste avec une voix. Ça, ça m'a toujours vraiment fascinée. Ça m'a toujours Impressionné de dire mon doux, cette personne-là m'écoute, peu importe en train de faire quoi, mais attaché à la voix de la personne, puis on le vit, nous, avec d'autres animateurs qu'on écoute euh, dans des radios commerciales. On dirait que c'est nos amis, puis on dirait qu'on s'attache, on les a pas nécessairement vus quand ce n'est pas des personnalités publiques, des personnalités connues euh, du monde de la télé ou des humoristes. Puis c'est fou à quel point on développe une connexion, puis un attachement envers. juste avec une voix, ça, ça me fascine. <laughs> Enfin, pour tous ceux et celles qui auraient envie de découvrir le métier, Roxane Guérin vous conseille d'être persévérant. Pour être dans le milieu, j'aurais une chose à dire, c'est travaille, persévère, puis croisie. Puis, c'est vraiment de travailler. J'ai l'impression que ceux qui ont du succès là-dedans, c'est ceux qui donnent plus, qui donnent plus d'heures sans nécessairement les compter. Euh, on parlait des réseaux sociaux. Partager sur les réseaux sociaux. Toujours en donner un peu plus, se faire voir, puis de persévérer. Tu sais, ça peut pas toujours fonctionner. Fait que j'ai l'impression que c'est ceux qui, euh, qui travaillent fort qui vont réussir. Ceux qui persévèrent aussi parce que c'est facile, là, tu te fais dire « non ». Une fois, puis ça, <laughs> ça arrive. <là. rire> tu sais, euh, t'as des contrats, des fois, t'as pas la job, ça m'est arrivé aussi. Tu sais, même parcours scolaire, j'ai pas été pris à l'université. J'avais pas été pris dans aucun programme. J'avais été refusé à la radio étudiante, même ma première année. Fait que, tu sais, c'est facile de faire bon, ben, OK, c'est terminé pour moi. Puis finalement, bien, c'est quand tu persévères, quand tu veux tellement quelque chose, comment arrêter? <laughs> On se dit à lundi. Mon nom, c'est Rox Guérin. Salut, bye-bye! Vaudreuil de rien.